venir ici, c'est déjà des passionnés. Partage, amitié, en quelques minutes, un regard, oh, t'as une belle moto, et hop, c'est parti. Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Et on kiffe, quoi, on kiffe. Téléphone, c'est juste pour la femme, c'est un souci. Et le reste, on voit. Vacances, on roule. On roule. La dernière fois, je suis venu solo. Ouais. Je suis reparti, j'avais des tas de copains. Tous ceux qui m'avaient relevé la bécane, c'était tous des copains. Pas le tout d'inviter des gens à venir se faire plaisir en terrain avec des trails et maxi-trails. Le top, c'est de leur proposer justement le beau parcours qui va bien, qui permet de garder son rythme et qui permet de découvrir une région, qu'il soit lent, moyen ou rapide, en tout cas de savourer ce qu'on est en train de piloter et le paysage. Bah, t'as au moins le plaisir de les voir arriver, de les voir sourire, ça c'est déjà pas mal. Quand ils arrivent avec un énorme sourire et qu'ils te disent c'était le pied, bah là tu peux être que content quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Off-road, c'est un domaine que je connais absolument pas. Je découvre une liberté que j'arrive pas à retrouver ailleurs et je me marre à faire glisser la moto parce que c'est super drôle, parce que sur un terrain comme ça, aux vitesses où on est, c'est largement gérable. Bon, il est géant votre parcours, hein. Ah, Bitteschön. Bon. C'est câble. Mieux, ça serait moins bien. Plein la tête, plein de beaux souvenirs, c'était une première expérience off-road, c'était la découverte de la machine. Ouais, franchement, on se surprend, mais on se surprend raisonnablement, c'est-à-dire sans excès de vitesse, sans rien.
détente. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de pression. J'ai un caleçon de rechange, une paire de chaussettes et un copain qui a plein d'outils. Donc je ne me suis pas fait de soucis. Tu fermes là. Non, je crois qu'on va rester une nuit de plus, ça sert pas du mal. Jaune, regarde le jaune là. C'est un petit jaune. C'est, bah, c'est celui-là qu'il fallait tirer du départ. Un petit 51 dans l'eau, marrant. La convivialité, super. L'ambiance le soir. Et puis j'accompagne mon homme, donc c'est bien aussi. Il n'y a pas un panneau écrit en français, il n'y a pas une pub, il n'y a pas une plaque d'immatriculation, il y a un chemin, il y a un décor. Tu peux le mettre n'importe où dans le monde, mais il ne m'en faut pas plus pour m'émerveiller et pour rêver, quoi. Ça me donne des frissons. Là, t'étais où, là? Fou. On n'oublie jamais rien, hein, c'est terrible, hein, ça. Ben, malheureusement, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a déjà fait 3 et ça se passe super bien et on est super contents et il y en aura sûrement une 4e.